Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et nombreuses de bon matin pour ce webinaire intitulé Touche pas à mon corps et qui se propose d'aborder les thèmes du corps, du consentement et des violences sexistes et sexuelles à l'aune du mouvement MeToo en général et du mouvement MeToo inceste en particulier. Alors, je suis Élise Courtois, je suis éditrice chez Talent.eau et je suis aujourd'hui avec Elisabeth Brami, une autrice majeure de littérature de jeunesse, autrice de plus de 100 livres et autrice phare, on peut le dire, du catalogue de Talent.eau notamment. Je suis aussi avec Anne-Claire, déléguée générale de l'association Face à l'inceste, qui a travaillé aussi longtemps dans le monde du livre pour différentes maisons d'édition et pour la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse notamment, et qui a donc également une excellente vision et connaissance du monde du livre jeunesse. Alors la seconde partie de ce webinaire sera la plus dense, sera consacrée à des échanges avec Elisabeth et Anne autour du thème de l'inceste, en particulier en littérature de jeunesse, et de l'ouvrage que vient de faire paraître Elisabeth chez Talent.eau, qui s'intitule Je ne suis pas le doudou de mon papa, illustré par Sylvie Serpry. Avant cela, je vous propose en guise d'introduction un rapide parcours dans quelques œuvres du catalogue de Talent.eau qui abordent les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran, c'est l'instant technique. Je vous demande toute votre indulgence. Voilà, si ça fonctionne pas, faites-moi signe, n'hésitez pas. Donc Talent.eau, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une maison d'édition 100% indépendante qui a été créée en 2005 par Laurence Faron et Mélanie Decourt et qui se donne pour vocation de publier des livres qui bousculent les idées reçues et les clichés, notamment sexistes. Talent.eau s'est fondée sur l'idée qu'aucun livre n'est neutre, que chacun d'eux est porteur d'une vision du monde et que cette vision du monde, eh bien, c'est notre responsabilité, a fortiori en jeunesse, de l'interroger au même titre qu'on interroge les enjeux narratifs et graphiques d'un livre. Ça induit une façon particulière de travailler chez Talent.eau. Parmi ces particularités, eh bien, il y a la première, c'est qu'on est avant tout une maison d'édition de fiction. Donc les réflexions que nous mènerons aujourd'hui sur la représentation du corps notamment s'appliquent à la fiction pour ce jour. Et dans un second temps, nous ne pratiquons pas ou peu les travaux de commande. C'est-à-dire que très concrètement, on n'appelle pas les auteurs, les autrices, les artistes pour leur commander un livre sur tel ou tel sujet pour telle ou telle période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne éditoriale de Talent.eau se construit à la faveur de la réception puis du choix, hein, bien sûr, des textes, avec le risque éditorial qui peut aller avec. Et donc, on ne publie pas de livres médicaments, mais bien des œuvres portées par des auteurs et des autrices qui les ont portées eux-mêmes et elles-mêmes, je dirais, dans leur tête, dans leur cœur ou dans leur tripe, probablement les trois à la fois, la plupart du temps. Ça n'empêche pas ces livres de constituer de formidables outils pour la discussion et notamment pour l'éducation sexuelle qui évite ensuite les violences sexistes et sexuelles. Cette éducation sexuelle, eh bien, je dirais qu'elle commence par l'apprentissage du consentement. Hein, pour que l'enfant puisse dire non, il faut bien lui apprendre à dire non. Et ça, eh bien, c'est possible dans les livres à tous les âges. Et c'est ce qu'a compris l'autrice illustratrice Claire Garallon, qui a fait paraître en 2021 chez Talent.eau dans la collection Badaboum par terre les clichés. Donc ce sont vraiment des livres tout carton pour les bébés jusqu'à la petite section, les 0-4 ans. Un livre formidable qui s'intitule Chat et qui apprend le respect de l'autre et par extension de soi-même aux enfants dès la toute petite enfance à travers une métaphore d'une simplicité magnifique. Un enfant narrateur s'adresse à son chat. Chat, je veux t'attraper, te caresser, te griffer, te faire des bisous, etc. Mais je t'aime, chat, et c'est toi qui dis ou non ou oui. Donc l'apprentissage du consentement est bien possible dès la toute petite enfance grâce au talent et à l'intelligence de Claire Garland dans ce livre.
C'est également possible pour les enfants plus grands. À partir de 7 ans, un livre dont je vous parle aujourd'hui en exclusivité internationale, puisqu'il n'est même pas sorti encore, il sortira en mars 2024. Il est signé de Marilène Fouquet, il sera illustré par Bérangère Delaporte. Il s'intitule Anti-bisous et revient, vous savez, sur cette injonction que vous connaissez sans doute, qui consiste pour nous adultes à obliger les enfants à faire des bisous obligatoires aux gens qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mais qui n'ont pas forcément envie de faire des bisous à l'instant T. C'est une injonction qui est loin d'être anodine et qui dit beaucoup de ce qu'on exige des enfants. Eh bien, l'héroïne de Marilène Fouquet qui s'appelle Jeanne et qui à 8 ans va essayer de trouver des stratégies pour éviter ces fameux bisous obligatoires et finir par comprendre que la communication est la meilleure des clés. Donc apparaître en mars 2024 dans la collection Livres et Hugo. Pour les plus grands, deux romans majeurs du catalogue de Talent-Haut, Le Plongeoir, d'abord un recueil de trois nouvelles destinées aux adolescents à partir de 13 ans, c'est paru dans la collection Ego, des textes d'Elsa de Vernois. Donc élégamment reliées par le thème de l'eau, ces trois nouvelles explorent la perception du consentement par trois personnages à travers des métaphores tout à fait parlantes pour les ados. La première de ces nouvelles, par exemple, met en scène deux jeunes filles qui sont forcées par un groupe de garçons à monter sur le plongeoir des 3 mètres alors qu'elles n'en ont pas envie. C'est métaphorique, mais évidemment très symbolique de la notion de consentement. Corps de fille de Marilène Fouquet également, qui me cite sur tous les fronts, pour tous les âges. Un roman paru dans la collection Ego également, qui met en scène Agathe. Elle a 14 ans et Agathe, elle s'est fait voler son premier baiser lors de ces jeux, vous savez, stupides qu'on fait en soirée quand on est ado. Warren l'a embrassée sans son consentement et Agathe, eh bien, elle est tout à fait traumatisée. Elle va prendre sa revanche sur ce baiser volé en se réappropriant son corps et le droit à en disposer. Alors, l'éducation sexuelle, c'est aussi aborder, je dirais, frontalement les violences sexistes, sexuelles avec deux bénéfices. D'abord, redire la force des mots, puisque ce sont des personnages qui se libèrent par la parole et qui donc sortent de leur solitude grâce aux mots. Et dans un second temps, en mettant en scène eh bien, un véritable sentiment d'injustice, ce sont des livres qui décrivent, qui décryptent, qui mettent au jour la stratégie de l'agresseur et qui donc font que la honte change de camp, et ça c'est toujours salutaire. Alors dès l'âge de 7 ans, dans La guerre des jupes d'Isabelle Rossignol, eh bien Isabelle Rossignol avec les illustrations d'Eva Roussel met en scène dans ce roman qui est paru dans la collection Livres et Égaux, ce jeu des cours de récré qui consiste pour les garçons à soulever les jupes des filles, qui sévit toujours dans les cours de récré aujourd'hui. Et qui n'est rien d'autre eh bien, que les prémices de la culture du viol dès la cour de récré. Alors, l'héroïne de ce livre, Louise, s'en sortira par la libération de la parole et la sororité, l'entraide et une forme de pédagogie envers les garçons agresseurs pour leur expliquer toute la souffrance que leur fait vivre ce jeu sexiste. Pour les plus grands, dans la collection Ego, donc à lire à partir de 13 ans, La porte de la salle de bain de Sandrine Beau, qui est parue en 2015, et c'est assez remarquable parce que c'était avant le mouvement MeToo et cette vague de textes voilà, qui nous est arrivée, et c'est heureux, sur le sujet de l'inceste. La porte de la salle de bain, eh bien, c'est la porte que franchit de plus en plus régulièrement le beau-père de Mia, qui est âgée de 12 ans, depuis qu'elle commence à avoir de la poitrine. Dans la même collection, un premier roman de Yann Lemot, La dernière touche, l'emprise d'un entraîneur d'escrime, Benoît, sur son élève Maximilien, jeune escrimeur, emprise qui ira jusqu'au viol. Un magnifique premier roman qui dénonce donc la pédocriminalité, plus spécifiquement dans le monde du sport. J'en profite pour vous signaler d'ores et déjà que Yann Lemot et Sandrine Beau participeront à une rencontre qui s'appelle Reprendre corps face aux violences, qui aura lieu lors du Salon du Livre le vendredi 1er décembre. Ils échangeront avec les autrices Christelle Dabos et Marion Lemusic, et c'est une rencontre qui sera modérée par Anne Claire, qui est avec nous aujourd'hui. Ce sera donc le 1er décembre à 15h20 sur la scène d'en haut.
Enfin, Mauvaise connexion de Jolie Tech, paru en 2012 également, donc un roman qui a plus de 10 ans maintenant, qui raconte l'histoire de Julie, 14 ans, qui est victime d'un pédocriminel, cette fois en ligne, hein, un homme qui se fait appeler Laurent et qui l'invite à se déshabiller, à se faire des choses qu'elle ne souhaite pas faire à travers une webcam en la manipulant. C'est un roman donc depuis plus de 10 ans dont le succès n'est pas démenti et qui a une résonance très forte, notamment dans les CDI. On nous fait beaucoup remonter eh bien, à quel point il est un support de discussion très précieux avec les ados en bibliothèque et en CDI. Et Nos corps jugés, un roman de Catherine Cuenca, un roman historique cette fois, qui permet aussi une autre approche des droits des femmes et des violences sexistes et sexuelles. On est en 1978 et Myriam, 17 ans, est victime d'un viol pour lequel elle parvient à parler et même à aller jusqu'au procès avec l'aide d'une de ses amies qui est alors militante au MLF, au Mouvement de Libération des Femmes, et grâce aussi au retentissement du procès d'Aix pendant lequel Gisèle Halimi avait défendu Anne Tonfley et Araceli Castigliano, et qu'elle qualifie elle-même de procès du viol. Donc c'est aussi une façon de remettre en perspective l'histoire des droits des femmes, de voir eh bien, les progrès qui ont déjà été faits et conséquemment ce qui reste encore à faire. Voilà. Donc c'est une sélection qui n'est pas exhaustive. Vous trouverez sur le site des éditions Talent une malle thématique qui s'appelle également « Touche pas à mon corps » où il y aura une sélection encore plus complète de titres sur ces sujets avec d'autres titres, notamment d'Elisabeth Brami et notamment Les grandes personnes, Elisabeth qui est dans cette malle. Et je vous propose tout de suite d'aborder eh bien le livre qui vient de paraître chez Talent le 3 novembre dernier, Je ne suis pas le doudou de mon papa, écrit par Elisabeth Brami et magnifiquement et symboliquement, fortement, très bien illustré par Sylvie Serpry. Elisabeth, est-ce que tu peux nous parler de ce livre et nous raconter notamment sa jeunesse qui est si particulière, l'histoire de son écriture? Oui, moi je suis ravie de pouvoir être là et de pouvoir parler de ce livre que j'ai mis peut-être plus de 20 ans à écrire. Le déclic, c'est pas un déclic de psychologue que je suis, ni de fille abusée que je n'ai pas été. Je le dis tout de suite parce que c'est les questions qu'on me pose. C'est juste que je suis allée dans une maternelle dans les années 2000, une maternelle des beaux quartiers de l'Ouest parisien, et que à propos d'un livre qui était totalement anodin, il a été question avec ces deux classes de maternelle, les grandes, la maternelle des 5 ans, de la peur. Et évidemment, pendant que les petits gars disaient « j'ai peur de rien, on a peur de rien, nous on a peur de rien », il y a une petite qui a levé le doigt parce que j'ai demandé aux filles de prendre la parole. Toujours, et que la petite a dit, avec un visage que je n'oublierai jamais, « Moi, j'ai peur de mon papa ». Et ça a résonné très fortement en moi parce que le visage de la petite disait déjà des choses. Et puis ensuite, en tant que ce que j'étais équipée de psy, j'ai essayé de poser deux, trois questions majeures pour m'assurer de ce qu'elle disait. « Qu'est-ce qui te fait peur chez ton papa ?» quand il vient dans mon lit la nuit. Et puis ensuite, j'avais besoin de savoir si elle en avait parlé à quelqu'un, si la mère était au courant. Et elle m'a dit, oui, maman m'a dit que ce n'est pas très malin. Là-dessus, j'ai eu, je dirais, 20 ans de stupeur, d'impossibilité d'écrire et de volonté d'écrire sur ce sujet. Donc, vous voyez, ça remonte à pratiquement au siècle dernier. Et c'est grâce à un autre enfant, en 2022, un petit garçon cette fois-là, en CE1, que j'ai pu libérer ce texte. Il a dit, en parlant de la nuit, du sommeil, etc., comme tous les enfants m'emmènent sur toutes ces pistes-là, un matin, j'ai ouvert les yeux, mon papa était dans mon lit, c'était bizarre, et il s'est levé, et puis il est parti au travail. Et voilà, j'ai rien cherché à savoir de plus. Il avait l'air bien dans sa peau. Par contre,
Je suis partie comme une furie sur le thème de les enfants ne sont pas les doudous des parents, qu'est-ce que les parents viennent faire dans le lit des enfants? En fait, nous avons oublié, parce que je venais pour déclaration des droits des filles et des garçons de chez Talent Haut, pourquoi j'ai oublié cette fameuse page que j'aurais dû mettre? Tous les enfants ont le droit de dormir peinard dans leur lit, chacun dans son lit. Voilà. Et quand j'ai commencé à parler du pas doudou des parents, le titre évidemment était là. Et au retour dans le RER, j'ai commencé à écrire les premières pages de Je ne suis pas le doudou de mon papa. Voilà. Je pense, alors maintenant que j'ai réfléchi à pourquoi ça s'est débloqué parce que j'ai tout de suite découvert que mon erreur depuis 20 ans avait été de m'identifier à une petite fille, en tant que fille moi-même, que, en fait, comment dire, les médias, le commun des mortels replacent toujours l'inceste comme une question de père-fille, c'est toujours la pauvre fille. Bien sûr, c'est majoritaire, le cas des filles, mais tout à coup, les garçons m'ont paru hyper importants, et c'est grâce à ce petit garçon que j'ai écrit, me rappelant d'ailleurs que Camille Kouchner, c'est pour sauver son frangin qu'elle a écrit, et que les garçons, il faut en parler beaucoup plus parce que eux parlent beaucoup moins encore et se laissent massacrer en silence. Voilà, je pourrais parler des heures, il faut m'arrêter, hein. Voilà. J'ajouterais quand même que avant de rencontrer cette petite, moi je n'ai dans ma pratique donc je n'ai pas rencontré de fille ou de garçon dans cette situation d'inceste. Peut-être que je suis passée à côté, mais enfin pendant 32 ans j'en ai pas vu. Ce que je voudrais dire, c'est que dès que j'ai été auteur et que j'ai créé ce personnage de Lily Bobo chez Bordas, c'est ma première petite fille. Le troisième bouquin s'appelait. Et du coup, je suis contente de voir qu'un bouquin va paraître là-dessus chez Talent Haut, qui est quand même une de mes maisons de cœur. Ça s'appelait « Pas de bisous pour Lily Bobo ». Et il y avait la page centrale qui était consacrée au tonton qui lui court après derrière le canapé, qui pue le tabac et qui pique du menton. Et pour moi, c'était, et je le disais à tout le monde d'ailleurs, je disais, c'est ma contribution aux abus sexuels. Voilà, ça a commencé donc, c'était en 92. Hein. Imaginez, vous n'étiez peut-être pas nés les uns les autres, mais moi j'y étais et j'ai commencé comme ça. Voilà. Merci Elisabeth. Est-ce que tu veux tout raconter l'histoire de Je ne suis pas le doudou de papa, nous parler de ce héros qui s'appelle Bertie? Je ne crois pas que ce soit indispensable. C'est une situation tout à fait ordinaire. J'ai découvert, puisque nous sommes en train de parler de ce que je fais chez Talent Haut, je pense que tout était déjà en gestation quand nous avons fait, et Élise, peut-être que tu vas être surprise, mais je suis repartie sur le livre « Les grandes personnes ». Et je vais vous lire, parce que ça répond vraiment à toutes les questions, ce que j'écrivais déjà sur les grandes personnes. Et ça m'a ahurie moi-même quand j'ai préparé cette présentation. Donc, écoutez-moi ça. Il y a une progression, il y a 5 entrées dans le bouquin. Bien sûr, on parle de plein de choses, mais par exemple, les grandes personnes, comme les petites personnes, font des bêtises grosses, énormes, gigantesques, mais elles ne s'excusent pas souvent après. Pourtant, les petites personnes leur pardonneraient de bon cœur. Alors là, je ne sais pas si aujourd'hui je parlerai de pardon. C'était en 18, je crois. Ensuite, ça c'est sûr, la défense de l'intimité, parce que ça commence, comme tu disais, sous les jupes, mais ça commence par la salle de bain, comme on l'a bien entendu, et ces intrusions dans l'intimité de la personne qui a droit à son intimité, bon Dieu quoi. Les grandes personnes ne se gênent pas pour entrer sans frapper dans la salle de bain ou la chambre des petites personnes. Elles osent même se promener toutes nues sans se demander si ça dérange les petites personnes. Voilà. Le troisième, les grandes personnes n'admettent pas que les petites... Ah non, c'est celui-là. Les grandes personnes utilisent parfois la force ou le chantage pour obliger les petites personnes à faire des choses qu'elles ne voudraient pas faire. Et les petites personnes ne savent pas toujours dire non. C'est déjà dans le bouquin, là. Et pour finir,
les bisous, justement. Les grandes personnes n'admettent pas que les petites personnes détestent les bisous trop collés et les guilis exagérés. Les petites personnes ont du mal à leur faire comprendre qu'elles ne sont pas des peluches ni des poupées. En fait, mon bouquin, il est né de ça aussi. En fait, c'est tout le temps. Ouais, c'est tout le temps. Et je me suis même dit, c'est étrangement, parce que l'autre jour, j'étais dans une école du 11e pour parler de la question de « mais pourquoi c'est les papas ?» On m'a posé la question. Et je dis « mais non, il y a aussi des mamans abusives, il ne faut pas oublier ça. » Et d'ailleurs, dans un des romans que j'ai écrit, les heures secrètes, tout seul, je me suis souvenue que mon gars, mon libraire de 72 ans, qui fait le bilan de sa vie, tout à coup, va lui remonter comme une nausée, comme un vomi, un souvenir d'abus sexuel sur lui, par sa mère, dans une salle de chambre d'hôtel de Normandie. Donc, voilà. En fait, je suis pleine de ça. Je suis pleine de ça, pas du tout parce que je l'ai vécu, pas parce que je suis psycho, mais parce que tout ce qui tue les gosses me tue. C'est tout. Voilà. Oui, Elisabeth est une combattante acharnée pour les droits des enfants, une précurseuse, effectivement. Et elle nous bouleverse et nous bouscule à chaque manuscrit, ce qui est une gageure pour une maison d'édition qui bouscule déjà les idées reçues. Bousculant, merci. Bousculant. On bouscule ensemble. Merci Elisabeth. Alors Elisabeth est une précurseuse, cela étant, la naissance du mouvement MeToo Inceste a été très importante en littérature de jeunesse. Anne, Claire, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que depuis, vous avez noté de votre côté un changement en littérature jeunesse notamment, et quelle forme prend-il le cas échéant? Oui, alors tout à fait. Nous, de manière générale, et comme vous l'avez dit, moi j'étais dans le monde de la littérature de jeunesse auparavant. Maintenant, donc, je dirige cette association Face à l'inceste. Et clairement, sur ce sujet-là et dans la littérature, ce qui a marqué un tournant, c'est le MeToo Inceste, qui date donc après MeToo de 2018, vraiment de 2020-2021. Et il faut avoir à l'esprit, là je faisais une autre intervention cette semaine, c'est que le MeToo Inceste, il est vraiment propre à la France. Le MeToo, il a été mondial, mais le MeToo Inceste, il est propre à la France. Pour donner aussi un contexte institutionnel, hein, parce que ce sujet de l'inceste, je pense que là, on l'aborde comme un motif littéraire en littérature de jeunesse, mais c'est un sujet qui, d'une part, évolue au niveau institutionnel. C'est un sujet aussi qui est aussi en train d'évoluer sous un traitement scientifique, non d'abord scientifique, sociologique, historique et puis aussi épidémiologique, puisqu'il y a vraiment un chiffre, moi, que je voulais rappeler avant de poursuivre, c'est que quand Elisabeth dit d'être confrontée à ses enfants dans les classes, c'est assez logique puisque nous, on a fait un sondage Ipsos en 2020 et on l'a reconduit cette année. C'est 10 Français, là on arrive même à 11 Français sur 10 qui ont été victimes d'inceste. 2 à 3 enfants par classe. Et moi, ce qui m'avait marqué aussi là depuis que j'ai pris ce poste, c'est que des auteurs illustrateurs jeunesse de la Charte, quelques-uns m'ont contacté en me disant « mais tu sais, nous, ça nous arrive souvent de rencontrer des enfants par leur dessin ou leur texte, ou qui vont se confier, qui vont nous dire qu'ils ont été victimes d'inceste ». Certains disent qu'ils vont s'en référer à la maîtresse, d'autres qu'ils essayent de parler avec l'enfant. Et je pense que c'est très important aussi que les intervenants, les éditeurs jeunesse, les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices de jeunesse, qui ont connaissance de ces faits, je pense même puissent envisager de faire remonter cela soit au niveau de la structure qui a mené cette rencontre en classe, si c'est le Centre national du livre, si c'est une résidence qui se tient au niveau régional. Je pense que c'est extrêmement important aussi de documenter et de faire remonter cela, outre l'obligation de signalement, hein. Il faut rappeler aussi, on parle là aussi, on en parle comme d'un motif littéraire, mais moi, ce qui m'a aussi choquée quand j'ai rejoint Face à l'inceste, c'est que très souvent, les gens ignorent la loi, mais les viols et les violences sexuelles faites sur les enfants relèvent du code pénal. Les agressions sexuelles qui relèvent des attouchements, notamment, et après c'est plus précis, mais ça relève aussi d'un délit, c'est sévèrement puni par la loi, tout comme la non-dénonciation et le non-signalement. Alors après, je sais, hein, les enjeux du signalement, et puis aussi dans la chaîne judiciaire actuelle, faire un signalement ne garantit pas toujours la protection de l'enfant, il faut l'avoir à l'esprit aussi à l'heure actuelle. Mais tout ça, c'est en train d'évoluer et il faut aussi avoir, je pense qu'on peut être assez fier en France, moi je l'ai découvert récemment en faisant des enquêtes sur ce sujet, mais
En France, on est assez pionnier quand même sur le fait de pouvoir se mobiliser sur le sujet. Le salon du livre aussi, là, qui s'empare du sujet, c'est vraiment fondamental. Et ce que disait Elisabeth aussi, ça m'a marqué sur cette petite fille et la réaction de la maman. Ce n'est pas très malin lorsqu'elle a révélé l'effet d'inceste. Il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'à la fois, c'est un sujet qui nous mobilise tous, qui nous bouscule tous, hein. Je ne sais pas si vous aussi vous le sentez physiquement, mais quand Elisabeth, elle raconte ses histoires et c'est pour ça aussi que c'est difficile de parler de ce sujet. Ça nous fait tous quelque chose physiquement, si on prend le temps d'y réfléchir. Ça nous fait quelque chose dans le ventre ou dans le corps. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile de parler de l'inceste, qui est un tabou, qui est dénié. Et il faut avoir à l'esprit encore aujourd'hui, c'est que 7 victimes d'inceste, voire 8 sur 10, ne sont pas protégées par le reste de la famille. Et donc, il y a une commission indépendante d'État là, qui a été conduite pendant 3 ans, qui a été lancée par Emmanuel Macron, et ça, c'est aussi fondamental et c'est assez inédit dans le monde, qui vient de s'achever. Il y a 82 préconisations qui ont été faites, mais il faut vraiment avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, on a donné la possibilité de donner un coup de canif dans le tabou de l'inceste. Et je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas se dire que c'est un enjeu qui relève que de la sphère judiciaire. Non, ça ne va pas être que. Et ça ne relève pas que d'un sujet de la famille. Et c'est extrêmement important, bah, d'une part, que les éditions Talents-Haut se mobilisent, qu'Elisabeth aussi, qu'il y ait des ouvrages sur ce sujet, parce que ça vient soutenir aussi, il faut bien se dire que tout ça vient soutenir les victimes, ça vient dire et soutenir une réalité, et ça contribue à donner ce coup de canif dans le tabou de l'inceste. Il faut aussi que chacun, chaque professionnel, chaque adulte, moi compris, vous compris, et les personnes aussi qui assistent à ce webinaire, puissent se poser en adulte protecteur. On a besoin vraiment de transformer le discours de l'inceste dans une culture de la protection, se dire que ce qui se passe dans une famille, eh bien non, ça ne concerne pas que la famille. Les parents n'ont pas du tout tous les droits, les enfants ont des droits. On est dans une société aujourd'hui, et il y a des travaux qui commencent à l'évoquer, profondément infantiste. Alors le mot d'infantiste, ça veut dire qu'il nie profondément les droits des enfants, leur protection. Et par rapport à ce sujet qu'est l'inceste, il y a beaucoup trop d'adultes qui attendent en fait parfois 10, 15, 20 ans plus tard que l'enfant parle une fois qu'il a été adulte. Et puis on a cette image de cet adulte, cet enfant victime qui se sera soigné à coups de psychothérapie, de médicaments et puis de résilience. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait tous conscience, c'est que l'inceste en 2023, un enfant victime d'inceste aujourd'hui en 2023, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, heureusement, il y a les livres, mais il n'y a pas d'affichage dans les bibliothèques, il n'y a pas d'affichage dans les écoles, il n'y a pas de dépistage. Aucun professionnel n'est formé. Il n'y a pas d'accompagnement dans le soin psychotraumatique. Parce qu'il faut se dire ça aussi, hein, c'est que les violences sexuelles et l'ensemble des violences, et là aussi ça commence à être documenté scientifiquement, ça a des lourds impacts psychotraumatiques. Donc après, ça génère du stress psychotraumatique, et ça, Muriel Salmona en a parlé. Nous, on en parle aussi dans nos études. Donc en fait, l'urgence d'action, c'est pas juste se poser la question, mais que va-t-il arriver à cet enfant? Ou pas. Je pense que c'est fondamental pour un enfant de croiser sur sa route un ou une adulte qui aura été en capacité de lui dire ce qui t'arrive, c'est un crime, c'est sévèrement puni par la loi. Ton parent, tes parents ou ton grand frère, si c'est un grand frère ou un oncle ou un beau-père, ou parfois aussi en effet une mère ou une sœur, même si c'est dans des moindres proportions, mais ça arrive aussi. Ce qu'il a fait, c'est condamné par la loi. Et je pense que là, tous aussi sur ce sujet, on a tendance à l'oublier. Le viol incestueux, les violences incestueuses, les agressions incestueuses, c'est inscrit dans le code pénal, c'est sévèrement et lourdement puni par la loi. Certes, aujourd'hui, il y a très peu de condamnations, mais il y a aussi très peu de personnes qui portent plainte. Et puis, je voulais revenir sur la notion du consentement. Alors, parler de consentement entre enfants et leur donner des indications et rappeler ce qu'est le consentement, c'est bien sûr fondamental parce qu'il y a aussi des mineurs qui sont auteurs d'agressions sexuelles et ça, c'est un chiffre qui est en train d'exploser. Mais il faut rappeler en revanche que fondamentalement, un enfant ne peut pas être touché par un adulte et toutes les campagnes, et moi, bon, après là, on est au Salon du Livre de Jeunesse, mais je pense qu'il faut s'adresser aux adultes.
C'est les adultes qui sont responsables de ce fléau, qui sont responsables de ce crime, parce que l'inceste, c'est un crime contre ces enfants, c'est un profond crime de lien, parce qu'après, c'est des enfants qui n'ont plus de repères par rapport à leur famille, et la famille, elle est constitutive aussi de la société. C'est les adultes qui doivent se sentir responsables, c'est les mineurs aussi qui sont en âge de rendre des comptes. À partir de 13 ans, un mineur est en mesure de rendre des comptes devant la justice, et il faut aussi que les familles, les professionnels aient cela à l'esprit. Et puis enfin, je rappellerai aussi, même d'un point de vue psychologique, hein, il y a des textes, notamment les textes d'Hélène Romano, qui le rappellent, que un enfant jusqu'à l'âge de 4 ans, il découvre son corps, il découvre la sexualité, et la sexualité, elle est présente dans la vie d'un enfant. Mais à partir de l'âge de 4 ans, il y a un cadre très clair qui doit être posé à chaque enfant. Et en effet, comme vous l'avez rappelé, avec des ouvrages aussi sur la question des bisous, le corps de l'autre, et ça me semble fondamental. Qu'il faut aussi traiter les enfants qui sont victimes d'inceste parce que c'est aussi des adultes qui peuvent ensuite reproduire ou reconduire des faits de violence sexuelle sur d'autres enfants à l'âge adulte ou alors après qui vont reproduire ces violences. D'une manière générale, je pense qu'en France, on a un seuil de tolérance vis-à-vis des violences qui est assez élevé, alors Oh. qu'en réalité, il devrait être beaucoup plus bas. Il y a Oui. un pays en fait qui arrive à juguler l'inceste et il a jugulé l'inceste non pas en parlant forcément de sexualité et de consentement, en étant très fermement aussi clair et en condamnant l'ensemble des violences ordinaires faites aux enfants. Les violences psychologiques, les violences ordinaires qui peuvent être la fessée, c'est la Suède. Ben, la Suède, ils arrivent aujourd'hui à 3% seulement d'enfants victimes d'inceste et surtout ce que fait la Suède et ce que la France est incapable de faire. C'est de faire des campagnes de dépistage et des études scientifiques auprès des enfants. Aujourd'hui, il faut savoir, en 2023, enfin, même nous, à face à l'inceste, je n'ai aucune donnée sur l'inceste auprès des enfants. Il n'y a pas de dépistage. Moi, quand j'entends pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de dépistage systématique, parce qu'après, on ne saura pas quoi faire de ces enfants qui révèlent l'inceste. Et je crois que c'est important, même que les acteurs du livre jeunesse. Et conscience de ça, c'est que c'est difficile en effet de s'emparer de ce sujet-là, mais il faut commencer à le faire, et j'ai envie de dire commencer à le faire pour, j'allais utiliser un terme un peu vulgaire, mais foutre un peu le bordel dans la protection de l'enfance et en disant nous n'avons pas de moyens derrière pour accompagner ces enfants, mais nous on en parle à travers des livres, on parle de ce sujet-là. Elisabeth aussi a tout à fait raison d'évoquer la question de ce petit garçon, parce qu'en effet, et j'entends, il y a des questions de genre qui sont liées à l'inceste, mais et c'est plus souvent des violences qui viennent des hommes sur des petites filles ou des jeunes femmes. Mais nous, dans nos proportions de femmes qui sont citées comme autrices des faits d'agression sexuelle, et on commence à avoir aussi plus d'hommes qui commencent à révéler la question de l'inceste. Et c'est très important en effet que les hommes également se sentent en mesure de témoigner et les petits garçons se sentent aussi en mesure de témoigner de ces faits. Et je pense qu'il faut se dire que c'est à la fois des questions de genre, mais c'est aussi des questions systémiques liées à la famille et qu'il faut aussi qu'on ait bien à l'esprit qu'il y a énormément de femmes qui protègent les agresseurs sexuels. Et ça, je pense que c'est important de regarder en face cette réalité et de pas en faire uniquement une question de genre. Parce que ce n'est l'inceste a cette particularité-là d'être plus complexe et d'être un système complexe dans la famille. Et donc moi, je trouve que les livres aujourd'hui en littérature jeunesse, qui est vraiment passionnant, c'est qu'ils évoluent. Moi, j'ai été très marquée. Je crois que ça a été un des livres pour moi les plus difficiles à lire, celui d'Elisabeth. Parce qu'Elisabeth va au plus près et au plus et très concrète sur les faits. Là où parfois d'autres livres jeunesse veulent mettre les choses à distance, et on utilise des métaphores sur les albums pour les enfants, on a recours au loup, aux ours, c'est ce qui est très bien, hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est important aussi d'être dans la réalité et d'avoir vraiment, comme je disais tout à l'heure, un traitement scientifique de ce sujet et au plus près de la réalité, parce que c'est comme ça qu'on va aider les enfants. Et puis parce que les enfants qui sont victimes d'inceste, hein, ils sont pas dupes, ils savent bien que ce qui se passe n'est pas normal. Et ils ont besoin au contraire de se dire, mais en fait, à quel adulte, si c'est pas dans ma famille, à quel adulte je vais pouvoir parler et m'adresser? Donc, est-ce que ce sera mon enseignant? Est-ce que ce sera mon médecin traitant? Est-ce que quelqu'un va me poser la question aussi durant tout le temps de mon enfance? Est-ce que je vais rencontrer une personne qui va me poser la question? Est-ce que j'étais victime de violences sexuelles?
Alors, à l'actuel, on ne le fait pas, mais en tout cas, ça, c'est un début, ce qui se passe au salon, la table ronde que vous faites ce matin, l'engagement aussi des éditions Talents Hauts sur ce sujet depuis de nombreuses années et avant le mouvement MeToo. Je pense qu'il faut s'accrocher et rester conscient que c'est important, en fait, de protéger les enfants des violences et que c'est une réalité. Et il faut arrêter aussi, je pense, d'idéaliser la famille, idéaliser l'enfance aussi, qui serait à l'abri de toute forme de violence et de tristesse, parce que ces enfants-là, ils ont besoin d'adultes référents, en tout cas de reconnaître des adultes qui sauront les écouter, les protéger et prendre la mesure de ce drame, et non pas réagir comme cette maman qui a dit ce n'est pas très malin, soit en niant la parole de l'enfant, soit en niant le fait lui-même, parce que ça ravage des enfants. Alors surtout, hein, si des enfants vous révèlent l'inceste, mais jamais ne répondre, mais tu es sûr, mais tu ne mens pas. Mais vraiment, tu peux réfléchir vraiment à ce que tu viens de dire. Ça, c'est une catastrophe. Un enfant a autre chose à faire que d'inventer l'inceste. Et aux personnes, moi, qui me disent, je sais que ça va m'arriver durant le salon du livre, mais un enfant ment. Moi, je dirais, j'ai rencontré beaucoup plus d'adultes qui sont de fiefs menteurs que des enfants menteurs. Et sachez que le mensonge, en fait, c'est partagé à peu près par l'ensemble de l'humanité. Un enfant ne ment pas plus et il a autre chose à faire que d'inventer l'inceste. Il a autre chose à faire que d'avoir envie de. Enfin, ce sujet m'énerve parce que je pense qu'il faut arrêter d'imaginer des enfants menteurs. Ils ont. Voilà, on est tous de beaux menteurs aussi, les adultes Ouais. que nous sommes. Oui, et puis alors on compte vraiment sur l'étymologie d'enfant, infance, qui ne parle pas. Oui. Et on lui saute dessus comme sur un objet, bien, bien tranquille, bien tranquille. On en fait sa chose. D'ailleurs, je vais vous dire, même en français, ça m'a toujours énervée, peut-être parce que je suis parent polonais, je ne sais pas comment on disait, mais le verbe avoir pour j'ai un enfant déjà me dérange. La possession de l'enfant. Me dérange. Et je crois que ça remonte à très très loin, mes problèmes À faire et tout comme le même autour de protéger, hein, quand on dit protéger, c'est anticiper. Donc en Évidemment. fait, et on a tous une obligation de protection vis-à-vis des Oui, enfants. et alors moi, je suis extrêmement pessimiste, absolument comme vous, sur ce qu'on peut faire, comment on sauve l'enfant de cette catastrophe. Je ne compte absolument plus sur les adultes. Je suis complètement désabusée. Je pense que quand on parle de consentement, eh bien, ironiquement, je dirais que c'est le consentement général pour que le droit de cuissage continue tranquillement, parce que c'est pas possible que quand je suis allée dans la classe de la petite, il y avait un gosse par classe. Ce qu'on disait, et d'ailleurs le signalement a été fait, je l'ai fait avec la directrice, et que maintenant, évidemment, peut-être que ça veut dire qu'on a libéré la parole et qu'il y en a deux ou trois, mais moi ça me rend dingue. Ce que j'ai fait avec ce bouquin, c'est juste donner des armes littéraires, parce que c'est pas didactique, au gosse qui va tomber par hasard sur mon bouquin. Je dis par hasard parce que je compte même pas sur les parents. Je ne compte même pas sur les parents. Je compte sur les bibliothécaires. Je compte sur quelques instits qui auront le courage d'affronter les parents qui viendront les emmerder après. Mais c'est comme ça qu'il faut introduire ce bouquin. Et je remercie Laurence Farron de Talents Hauts parce que j'ai eu deux refus de publication de ce bouquin. Je n'en veux pas du tout aux éditeurs, mais les arguments étaient les suivants. Ah, 8 ans, c'est un peu tôt pour parler de ça à des enfants. Non, justement. J'ai écrit pour qu'un enfant soit autonome, qu'il prenne son drame, sa tragédie entre les mains. Et ceux qui ne sont pas concernés le lisent comme nous les filles, on a lu Poil de carotte et autres horreurs arrivées à un gars, quoi. Voilà, on est assez intelligent pour savoir ce que c'est qu'une fiction. Mais l'enfant qui est concerné aura non seulement la puce à l'oreille, s'il ne l'a pas eue, mais comprendra que c'est hors la loi. Et là, je reviens à la psycho, je reviens à Françoise Dolto, dont je me souviens qu'elle disait, à 3 ans, quand un gosse entre à l'école, parce que c'était 3 ans, il faut qu'il connaisse son nom de famille et pas c'est Titi machin de Walt Disney, là, c'est son nom de famille, qu'il connaisse sa lignée par son arbre généalogique et qu'il connaisse l'interdit de l'inceste. Oui. Voilà. Là, c'est équiper un citoyen. C'est tout. Ça, c'est dans la prévention et ça, malheureusement, dans les dernières annonces de Madame Borne sur ce sujet-là, on n'arrive toujours pas à envisager d'avoir l'éducation à la vie affective et sexuelle auprès des Non, enfants. mais on a tout Et en perdu, effet, nous, il les faut amis. armer les enfants et
et véritablement leur dire que c'est un interdit. Et il faut aussi que les parents, il faut que les adultes aient peur. En fait, aussi, je crois aussi que c'est un rapport de force. Il faut que les adultes aussi se sentent empêchés de passer à l'acte sur les enfants. Et on n'en est pas Effectivement. là aujourd'hui. Ben Mais je non. pense que le talon et la mobilisation de tout le monde sur ce sujet, en tout cas d'en mesurer la dimension, j'allais dire quand même aussi dramatique, hein, parce que ça a des impacts. Il faut arrêter de penser et de tolérer que ben toutes les enfances sont marquées par le trauma, non, par de la violence, non. Et puis il y a toutes les familles aussi qui font le choix de ne pas recourir à la violence. Et moi, je trouve à minimiser, à normaliser l'inceste ou les violences faites aux enfants, c'est aussi balayer d'un revers de la main toutes celles et ceux et tous les adultes et qui sont responsables, qui font attention à leurs gestes. Et je trouve que c'est à nous tous aussi, chacun, d'avoir aucune complaisance vis-à-vis des violences sexuelles et de Bien sûr. l'inceste. Bien sûr. Merci Anne-Elisabeth. Alors on comprend bien que les maisons d'édition, comme tous les professionnels et toutes les professionnelles du livre, ont une responsabilité. Alors j'ajoute mon petit grain de sel à l'échelle de la maison d'édition, c'est dire que les livres que j'ai présentés en introduction sont pour presque tous des succès commerciaux, pour le dire trivialement. Là, l'objet de cette intervention, c'est pas du tout de vanter les bonnes ventes de talents, hein. Vous doutez bien que la motivation à publier ces livres, c'était avant tout le sentiment d'injustice plus que le compte d'exploitation. Ça veut surtout dire qu'il y a un besoin pour ces livres et qu'il y a une réception possible. Hein. On l'a vu quand on a fait lire le manuscrit de Je ne suis pas le doudou de mon papa à nos comités de lecture. Les adultes sont frileux et frileuses, les enfants pas du tout. Ils ont besoin de ces Oui. lectures. Et pour rebondir, Triste Tigre de Nash Sino qui a eu le prix Ah, Femina et bravo, oui. qui aurait pu, eh bien, la Goncourt des lycéens, c'est un livre extrêmement difficile et moi j'entends beaucoup d'adultes qui me disent oui, mais si on parle de violences sexuelles aux enfants, ça va les traumatiser. Oh, pauvre. Non, en fait, les enfants, et là, ces lycéens, ils sont prêts, tout le monde est prêt, c'est nous, les adultes, qui avons un vrai Exactement. problème avec ça, notre génération. Mais les enfants, ils n'ont plus envie d'une d'être agressés sexuellement, ils n'ont plus envie d'histoires sordides sur le viol, etc. Ils n'ont plus envie qu'on glamourise l'inceste, ils en ont plus envie. Et moi non plus, j'en ai plus envie. Donc, stop. Et en effet, rappelons que ça doit cesser, il faut donner de la force et du courage aux enfants. Et c'est la littérature jeunesse, elle a un profond pouvoir d'émancipation, de réflexion auprès des enfants, et puis elle a toujours été à l'avant-garde, la littérature de jeunesse, et bien qu'elle continue à le faire et qu'il y en a encore plus des livres sur ce sujet, avec d'autres traitements aussi s'il le faut, mais qu'on fasse bouger cette vieille génération d'adultes complaisants par rapport aux violences sexuelles et qu'on bouge tous pour les enfants de demain. Oui, merci Anne et merci effectivement au Salon du Livre et de la presse de Montreuil de s'engager aussi fortement sur ce sujet. Vous retrouverez donc plusieurs rencontres sur ce sujet-là. J'en cite notamment deux. J'ai dû mettre les liens dans les échanges de questions-réponses. Sinon, c'est sur le site du SLPJ. Donc la première s'intitule La littérature pour penser les violences sexuelles faites aux enfants. Elle est animée par les deux coprésidents de la Ciivise, Édouard Durand et Nathalie Mathieu. Ce sera lundi à 13h50 sur la scène d'en haut, et un échange, un séminaire public, si j'ai bien compris, Anne, qui s'intitule Ensemble de l'information à l'action, où vous serez présente avec des représentants et représentantes des associations Colosse au pied d'argile, 119, L'Enfant bleu et Face à l'inceste, bien sûr, et qui sera participatif, si j'ai bien compris. Et ce sera lundi également à 17h, je crois, à la scène d'en haut aussi. Oui, l'idée, c'est Sur le vraiment chiffre de d'objet de. lancer une réflexion sur le sujet avec l'idée, c'est de se dire c'est la fin du salon, mais c'est le début de la réflexion aussi sur ce sujet auprès des acteurs du livre jeunesse. Super, il nous reste 1 minute. Donc, vous avez vu peut-être Anne et Elisabeth les questions, les compliments Oui. et. Les réactions dans les questions-réponses. Donc 1 minute, c'est peut-être le temps de vous remercier l'une et l'autre pour ces échanges passionnants et pleins de convictions et vous inviter à lire et faire lire Je ne suis pas le doudou de mon papa d'Elisabeth Bramy, brillamment illustré par Sylvie Oui. Serpré qui a vraiment trouvé le juste équilibre entre symboles.
une forme de douceur, ce qui était vraiment une gageure et qui sublime le texte d'Elisabeth. Donc, un ouvrage à lire à partir de 8 ans dans la collection Livres et Égaux, et retrouver Anne-Claire à midi également Oui. en webinaire sur la même plateforme pour répondre à la question suivante: que peut faire la littérature de jeunesse et les acteurs RIS du secteur pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants? Moi, je serai là en tout cas. À tout à l'heure, Anne. Et merci à toutes et tous. Merci. Merci à toutes et à tous pour vos réflexions et votre présence. Donc, à bientôt au salon en physique pour Merci. continuer le sujet. Merci beaucoup.